Électronique, ordinateur, effets spéciaux. S'agit-il encore de ce que nous appelions naguère, le cinéma? Le rêve, aujourd'hui, a les scintillements d'un billard électrique qui aurait l'échelle d'une galaxie. Le cinéma américain et ses enfants prodiges bousculent les règles du 7e art. À Londres et à Los Angeles, les ateliers sont devenus des laboratoires où s'inventent les trucages les plus perfectionnés, les méthodes de tournage les plus révolutionnaires. Devant Superman et la guerre des étoiles, Tron et E.T., les futurologues s'interrogent sur l'avenir du cinéma. Mais n'en a-t-il pas toujours été ainsi? En 1893, Thomas Edison fit hurler de terreur les spectateurs américains. Il fit décapiter Marie Stuart et la tête roula dans le caniveau. Le public ne s'était pas rendu compte que le chef opérateur avait arrêté la caméra, figé les comédiens, substitué à l'actrice un mannequin ensanglanté, puis recommencé à tourner. Ce fut sans doute le premier effet spécial. La magie était créée. De nos jours, les illusions fantasmagoriques sont obtenues par des moyens hautement sophistiqués. Ici, dans un décor high-tech à Elmsford, New York, la plus grande partie de l'univers fantastique du film de Walt Disney, Tron, a été créée à l'aide d'ordinateurs. Nous, à Magi Synthévision, nous utilisons des ébauches de formes déjà programmées dans l'ordinateur pour élaborer un objet beaucoup plus compliqué que celui que nous utilisons dans notre film. Une fois que nous avons décrit un objet à l'ordinateur, nous pouvons le regarder sous presque tous les angles. On peut aussi faire bouger l'objet, le faire tourner, errer dans toutes les directions. On peut en définir les couleurs, la texture et l'éclairer de presque tous les côtés. On peut utiliser différentes sources de lumière. En utilisant des coordonnées géométriques et en attribuant des valeurs numériques aux couleurs, les images peuvent être décrites mathématiquement. Ces informations peuvent être introduites dans l'ordinateur, manipulées et utilisées par le décorateur selon ses besoins. Hey, Tom. Tom, regarde ça. Take a look at this. What you need is a background. Ce dont tu as besoin, c'est d'un fond. OK, sounds good. Hey, what do you think? Qu'en penses-tu? I like your background. J'aime bien ce fond. It looks good. How about the cheese? Et ce fromage? Ça ne ressemble pas à un fromage. Lorsque le décorateur est satisfait de l'image, l'ordinateur peut déverser toutes ces informations sur le film par projection d'un faisceau de minuscules points de lumière colorés appelés pixels. On procède pixel par pixel. Cela prend un temps infini, mais c'est quand même plus rapide que l'animation manuelle. Pour le film cinématographique Tron, le décorateur futuriste Sid Mead a imaginé une motocyclette appelée Motolumière. Avec les plans de cette machine et les formes simples déjà stockées dans l'ordinateur, Maggie a pu reconstituer cette Motolumière. Et ils ont pu ensuite l'animer selon leur volonté. C'est
Le système Synthévision à Magi était à l'origine supposé analyser l'énergie nucléaire. Et beaucoup de cette technologie d'animation par ordinateur a été développée par les militaires et aussi par l'aviation pour les simulateurs de vol. Nous avons utilisé celui-ci pour concevoir les mouvements. Et dans l'avenir, nous pensons que cette machine pourra nous aider à créer une animation beaucoup plus réaliste. Le cinéma est en plein essor aux États-Unis et pas seulement en Californie. La ville de New York s'affirme à nouveau comme une rivale d'Hollywood. Récemment, un nouveau studio s'est installé dans les locaux anciens de la boulangerie Silvercorp. Maintenant, le pain quotidien est servi dans la cantine du studio aux acteurs et figurants du film de la HBO Silver Screen, The Catholic Boys, avec Donald Sutherland en vedette. Le film de Woody Allen, Broadway Danny Rose, a été tourné ici. Et le nouveau film de Sidney Lumet, Garbo Talks, est actuellement en cours de production dans un autre des 5 plateaux d'enregistrement de Silvercorp. Par la suite, le complexe comportera 18 studios. À 2 pas de Silvercorp, le studio Astoria, construit en 1920 et fermé en 1932, vient de rouvrir ses portes à des sociétés cinématographiques. L'Astoria possède encore le plus grand plateau d'enregistrement des États-Unis en dehors d'Hollywood. Le metteur en scène britannique, Michael Apted, tourne actuellement son film Firstborn à l'Astoria. Pour son plateau, le décorateur a reconstitué avec application un appartement qui existe réellement à quelques kilomètres de là, dans le quartier de Brooklyn. Le moindre petit détail a été reproduit. Cette décision a été prise parce que le metteur en scène et le producteur ont estimé qu'il pouvait arriver à un meilleur résultat dans l'environnement contrôlé du studio. Les longs métrages ne sont plus l'apanage des studios. Par exemple, l'année dernière, 7 films ont été réalisés en Louisiane, 21 dans le New Jersey et 28 en Floride. East Hampton, Long Island, est une station estivale renommée pour gens riches. Ici, dans une usine construite à cet effet, le magicien des trucages, Brian Farron, fabrique de la magie pour des films tels que The Texas Project de Robert Benton. La tentative de reconstitution de tornade pour The Texas Project a raté, de même que plusieurs essais ultérieurs. En fin de compte, on a adopté une solution simple qui consistait à mélanger 2 liquides de densité différente dans un réservoir et à utiliser un aimant tournant pour créer un tourbillon. Les images qui en ont résulté ont été introduites dans l'ordinateur où elles ont subi une modification numérique. Combiné ensuite avec l'action, le résultat final était parfait.
Pizza is ready. Please pick up your pizza number 28. Something out monkey wrong. Fight. It doesn't matter who's wrong. Right. Just beat it. Beat it. Beat it. No one wants to be defeated. Showing how monkey wrong. Fight. It doesn't matter who's wrong or right. Just beat it. You better do what you can. Don't wanna see no blood, don't be no macho man. You wanna be tough, better do what you can. So beat it. But you wanna be bad, so beat it. Beat it. Don't want much to be defeated. Okay. Nous sommes bien amusés aujourd'hui avec Michael. Je ne peux m'empêcher de penser, que va-t-il se passer? Et maintenant, vous allez ressentir une nouvelle forme de cinéma. Un cinéma qui vous met au cœur de l'action. Grâce au maître des effets spéciaux Douglas Trumbull, voilà Shoscan Super Cinéma. Dans une salle impressionnante, munie de 6 haut-parleurs stéréo, du 70 mm projeté à grande vitesse, cela produit une ambiance tellement réelle que c'est impossible de vous le montrer à la télévision. Venez vivre le premier film en Shoscan Magie Nouvelle. Venez voir comment une action peut être réelle exclusivement à Showbiz Pizza Place. Et maintenant, voici Douglas Trumbull, créateur de Shoscan et réalisateur de Magie Nouvelle. Nous avons commencé par toute une série d'essais compliqués, essayant toutes les sortes de trucages cinématographiques connus jusqu'alors. Nous avons finalement fait un test que personne n'avait jamais essayé de faire jusqu'à maintenant, du moins je le pense. Une des règles à ne pas enfreindre est le nombre d'images par seconde. Tout le monde pense que tous les films doivent être tournés à 24 images par seconde. Alors nous avons fait toute une série de tests, essayant des vitesses différentes allant jusqu'à 96 images par seconde. Nous nous sommes aperçus qu'il y avait une incroyable illusion de réalisme autour de 60 à 72 images par seconde. Et Shoscan, grâce à cette vitesse d'image, chaque image étant claire, piquée et moins floue, vous donne une meilleure idée de la vélocité et la perspective des objets se déplaçant dans l'espace. Et du coup, ça vous donne l'impression que la surface de l'écran a disparu et que vous entrez dans un monde en profondeur. Je pense que Magie Nouvelle va être le premier film de l'histoire qui créera une illusion totalement crédible. What will be a totally believable illusion. La mise au point de la merveilleuse invention cinématographique de Douglas Trumbull a été initialement financée par Paramount Pictures, mais le studio n'a pas pu persuader les propriétaires de salles de cinéma américains d'acheter un équipement complètement nouveau et coûteux, de sorte que c'est le Showbiz Pizza Place qui a finalement accueilli Shoscan. L'un des plus grands rivaux de Hollywood est naturellement l'Angleterre. Les studios Pinewood, célèbres par les films de James Bond, sont le fief de deux gentlemen modestes qui sont de grands magiciens en matière d'effets spéciaux, Roy Fields et Derek Meddings. Derek Meddings, second right, up to the top, sharp left, take the third turning right. It's an old shed. You can't miss it. There's a lot of junk outside, special effects junk. Je suis ici depuis près de 12 ans. Je suis venu pour faire un film de James Bond et en fait, je ne suis jamais parti de cet endroit. C'est un studio tellement fantastique. Les techniciens sont parmi les meilleurs du monde, sinon les meilleurs. Et c'est donc pour cette raison que, par exemple, Richard Lester aime ces studios. Ils peuvent faire venir les meilleurs techniciens dans leurs spécialités respectives, réussir à les réunir en une équipe homogène, et depuis le premier Superman, c'est ce qui est arrivé. Dans Supergirl, je suis le responsable des effets spéciaux. Et ce que j'ai à faire, c'est planifier comment nous allons faire tous les effets spéciaux de ce film. C'est-à-dire qu'il faut qu'on sache si on va utiliser des maquettes, des effets grandeur réelle, ou des trucages optiques, et quelquefois, une combinaison des deux. Dès que nous avons le scénario, nous l'étudions avec le réalisateur, le producteur et le dessinateur, et nous nous mettons d'accord sur l'endroit où devront être effectués les trucages, miniatures ou grandeur nature. Et le problème est d'en connaître le coût, car certains de ces trucages peuvent coûter une somme énorme.
Y a-t-il une autre façon de le faire qui soit aussi efficace? Lorsque nous avons affaire à un plan éloigné de Supergirl, alors je m'occupe de créer une petite maquette. Et pour cela, je m'organise avec mon maquettiste pour qu'il fasse une réplique de Supergirl avec ses cheveux, sa cape, ses bras, ses jambes qui bougent. Ensuite, nous la filmerons avec des nuages artificiels sur le plateau. C'est ainsi que nous ferons voler Supergirl dans les nuages. Is that the completed one, John? Yeah. Yeah. I just got the hair to finish on the other one. Okay. Lovely. All right, we'll get that one wired up there. Thank you. Jano? Yeah? What do you think of that? Oh, it's bloody good. Oh, now, for the blue screen shots, we're taking out the... The other glass. Yeah, otherwise we're going to get... That's the big one. This is the big one or the small one? No, this is the middle size one. Looks good, doesn't it? Very good. Are you happy with that? Yeah. All right. Good. Very good. The way this came about to be is, la façon dont c'est arrivé, c'est que nous voulions quelque chose de différent de l'objet qui, comme d'habitude, vient de l'au-delà, ce qui a déjà été utilisé dans le premier Superman et dans bien d'autres films de ce genre. Alors, nous avons discuté de la conception et je me suis dit, pourquoi ne viendrait-elle pas de l'infiniment petit? C'est essentiellement ce qu'ils ont fait quand Krypton explosa. Il y avait une ville, Argos, dans laquelle elle vit, et Zoltan, joué par Peter O'Toole, qui est une sorte d'Albert Einstein du futur, trouve un moyen de la transférer dans un espace intérieur, qui est en fait un monde moléculaire microscopique. Et donc, ce qu'elle fait durant ce voyage, c'est qu'elle vient de l'infiniment petit, et je ne vous raconterai pas la suite pour ne pas gâcher votre plaisir. Donc Derek a construit cette capsule, cette petite sphère dans laquelle elle voyage, et Roy s'est occupé des effets optiques. Nous sommes allés à l'Institut scientifique d'Oxford voir Peter Parks. Il a utilisé des micro-organismes et des caméras spéciales pour créer des effets insolites pour le fond. Le chat d'une aiguille et une goutte d'eau. Oxford Scientific Film, créé en 1968 par un groupe de chercheurs mixtes, a fondé sa réputation sur l'élaboration de films biologiques. Ils se spécialisèrent initialement dans la photographie accélérée et microscopique, mais au cours des années, ils furent de plus en plus recherchés par les producteurs de films désireux d'utiliser leur ingéniosité et leur technique pour des films à effets spéciaux. Mais seuls les producteurs tenaces peuvent les trouver, car Oxford Scientific Films est situé au fin fond de la région d'Oxfordshire, à des kilomètres de tout studio cinématographique. À cause du travail que nous avions fait sur Superman, nous avons pensé à Jano pour qu'il nous aide dans Supergirl pour une scène bien spécifique demandant un matériel insolite. Roy demanda à Jano de venir discuter avec nous. Le scénario décrivait un voyage dans de l'eau sous-moléculaire. Mais comment allions-nous arriver à faire de l'eau sous-moléculaire? Aucun d'entre nous n'en avait la moindre idée.
Roy Field, spécialiste des effets d'optique, est basé au studio Pinewood. Roy a la tâche invisible et peu connue de fusionner des éléments de scène filmés séparément dans un ensemble sans bavure. Seul lui et son équipe connaissent les secrets qui peuvent faire voler Supergirl. La Truca a été conçue dans les années 30, faite sur mesure, sur place, par les différents grands studios. Dès le départ, il y avait une caméra et un projecteur face à face pour que vous puissiez refotographier quelque chose et l'insérer à ce que vous aviez déjà photographié. L'une des utilisations les plus importantes de la Truca, c'est en tant qu'outil pour créer des incrustations en mouvement. Les incrustations sont utilisées pour mélanger un fond et un premier plan en mouvement qui ont été filmés séparément. Lorsque Supergirl survole Metropolis, c'est un hélicoptère qui filme New York pour le fond. Nous, nous filmons la pauvre actrice Hélène suspendue par des fils dans le studio ici à Pinewood. Pour que ces deux images ne soient pas en surimpression, nous faisons une silhouette de Supergirl que nous appelons un cache, et à l'inverse, nous faisons un contre-cache plein cadre au milieu duquel se trouvera un trou de la forme de Supergirl. C'est dans ce trou qu'elle évoluera. Évidemment, il faudra que la pellicule passe plusieurs fois dans la Truca pour obtenir l'effet. Les caches peuvent être faits par un procédé laborieux que l'on surnomme rotoscoping, qui consiste à les découper à la main, image par image, et ensuite à les peindre. Autrement, si un objet est filmé sur un fond bleu avec un soin particulier pour l'éclairage, on peut faire également une incrustation en mouvement. C'est une méthode plus simple que le rotoscoping. Une mauvaise incrustation est évidente à cause des contours noirs, bleus ou blancs de l'objet. Mais si cela fait partie d'une scène prise de loin, vous pouvez peut-être ne pas vous en apercevoir. Mais quand même, les mauvaises incrustations sont évidentes. Heureusement, nous n'en avons pas. Close the eyes. Okay, now open the eyes. And look and move, Stephen. Graham, up a bit. That's it, not too high. Yes, that's good. That's better that time, much better. Breathing's a bit sort of shallow there, Seneca. Can you get the breathing a bit more? Can't really see what I'm doing. Okay, now come into profile. So you bring him back slowly, gently. Chin up there, Graham. Nowadays, it's necessary to become. De nos jours, c'est nécessaire de ne pas être un maquilleur seulement, quelqu'un qui mélange des couleurs et qui les applique au visage. Maintenant, c'est une nécessité d'être un peu sculpteur, d'être un ingénieur pour créer des systèmes mécaniques, un chimiste pour élaborer des solutions chimiques dont on a besoin, un physicien pour étudier les données physiques de ce qui ne va pas, car les choses paraissent toujours ne pas aller. Vous avez besoin d'un dentiste pour la dentition, un oculiste pour les yeux, etc. C'est vraiment devenu un travail ultra compliqué. Il faut en connaître toutes les facettes différentes. Sur En compagnie des loups, je me suis impliqué dans les discussions avec le réalisateur très tôt. Il était nécessaire de planifier au maximum et de trouver ce qui était techniquement faisable et ce qui ne l'était pas. Car dans ce film, il y avait tellement d'effets compliqués de transformation. Nous avons dépensé un temps fou pour décider de ce que nous allions faire précisément, ce que les personnages allaient vraiment faire. Les verrions-nous se transformer en loups? Que verrions-nous alors? Comment deviendraient-ils des loups? Et ainsi de suite. Le problème, c'est qu'il y a eu pas mal de films de loups-garous, de faits, dans lesquels la transformation existe. Évidemment, les gens n'ont pas envie de voir deux fois la même chose. Par conséquent, nous nous sommes retrouvés face au vieux problème de l'inspiration. Comment trouver une autre manière de transformer quelqu'un en loup, ce qui était plus difficile. Right, Stephen, turn and Graham, the eyes. Head up. And now if you press the button now. Yeah.
Avec En compagnie des loups, c'est beaucoup plus compliqué par le fait qu'il y a plusieurs transformations et que pour chacune d'entre elles, le réalisateur voulait à chaque fois une transformation différente, ce qui rendait le problème infiniment plus compliqué. And round towards us, Stephen. Round this way, that's it. Right. Down a bit. Don't look down too much, Graham. En ce qui concerne les films à effets spéciaux durant ces dernières années, notamment avec le remake de La Chose et ses épopées de science-fiction, jusqu'à un certain point, c'est une bonne chose, mais c'en est aussi une mauvaise. Le problème, c'est que les films deviennent trop chargés d'effets spéciaux. On fait des films autour des trucages et on oublie l'histoire. Le plus important dans n'importe quel film, c'est l'histoire et son contenu dramatique, et pas seulement les trucages. Si vous voulez faire un film en ne comptant que sur les effets spéciaux, vous n'avez qu'à mettre votre caméra dans un studio adéquat et vous filmez. Ça, c'est la main de Bert que vous avez vue en bas, manipulée par deux ou trois personnes, séparément, indépendamment du reste de la chose. Donc, après Bert 1, nous arrivons à Bert 2, qui se développe, il nous donne un coup. Bert 1 n'a jamais eu de coup. Il nous donne le cou entier du loup. Mais nous sommes toujours sans les oreilles et sans le nez qui grossit sur Bert 2. Non, plutôt sur Bert 3. C'est là que les oreilles grandissent comme ça et que le nez apparaît en même temps et que la gueule et la langue s'agitent et que les yeux bougent dans diverses directions. C'est à ce moment-là que nous arrivons au grand loup final. Nous l'appelons l'écumeur. On n'a pas trouvé mieux. Il a les mêmes fonctions que d'habitude et il a beaucoup de gens pour le faire fonctionner. En fait, il a fallu 10 à 12 personnes. Et il est assez énorme. Il pèse plus de 300 kilos. Ici, nous avons le plâtre d'un acteur, John Hurt, qui a joué le rôle d'Elephant Man. Pour fabriquer l'homme éléphant, j'ai dû refaire tous les traits de son visage. Et pour cela, nous le faisions en différentes étapes, en commençant par le haut de la tête. Ensuite, nous rajoutions toutes les autres sections du visage pour arriver à l'homme éléphant final qui se trouve là. Et ça, c'est le plâtre de John Hurt avec les derniers accessoires, les morceaux déjà moulés qu'on a collés sur lui. Certains acteurs sont très reconnaissables dans un moule en plâtre. Qui croyez-vous que ce soit celui-là? Une des choses les plus intéressantes en faisant Superman était de trouver un moyen de rester vivant en tant qu'acteur au milieu de tous ces effets spéciaux. Plus particulièrement après que le tournage principal eut été fait. La plupart des techniciens étaient repartis chez eux et pendant un an à Pinewood, j'étais suspendu à un fil. On faisait voler d'une certaine façon avant le déjeuner, d'une autre après, alors il fallait que je trouve une solution pour continuer mon jeu d'acteur. Je me suis aperçu que voler ne se trouvait pas dans les effets spéciaux eux-mêmes, mais dans les yeux, le regard. Lorsque des cascadeurs étaient suspendus à ma place, ils avaient l'air d'être comme sur un manège, ils se laissaient entraîner au lieu de faire comme s'ils volaient. J'ai trouvé que je pouvais être à 6 mètres du sol du plateau et quand même je pouvais savoir, recréer dans mon esprit comment était le temps, quelle vitesse j'allais, qu'est-ce que je voyais, d'où venait le vent. J'avais les images se déroulant dans ma tête, vous savez, comme le gratte-ciel Empire State. Et puis là, il y a la Statue de la Liberté, il faut que je tourne à gauche. Oh, je vais heurter un immeuble, vous comprenez?
Si vous regardez très attentivement le film, vous m'apercevez quelquefois en train de surveiller du coin des yeux un moniteur de télévision situé au sol pour être certain que je ne vais pas me heurter à un obstacle. Et je pense finalement que les spectateurs s'en fichent si les fonds bleus, les incrustations, les projections par ordinateur ont été astucieux. Parce que je pense que ce niveau d'intérêt pour la technique n'est réservé qu'à ceux qui, par exemple, lisent le magazine de la Guerre des Étoiles. Et ils doivent représenter 3% de la population qui va au cinéma. Donc, vous pouvez étonner les gens du moment qu'il y a une histoire qui tient debout. Seuls les obsédés de la technique seront impressionnés par tel chroma key comparé à tel chroma key ou n'importe quoi d'autre. Mais ce n'est pas ce qui fait un film. Les effets spéciaux doivent aider l'histoire. Je pense que face à cet assaut quotidien d'avancées technologiques, vous savez, comme ces ordinateurs Apple et d'autres encore qui nous envahissent, de plus en plus, les gens vont vouloir des histoires faites pour eux. David Speed est le réalisateur des effets spéciaux pour la comédie de science-fiction Morons from Outer Space en cours de tournage à Pinewood. David utilise son système de régie d'animation assisté par ordinateur, la caméra tournant à vitesse très lente pour créer l'illusion d'un vaisseau spatial descendant des nuages vers la Terre. David Speed est spécialisé dans les travaux de trucage sur maquettes et miniatures. À cet effet, il utilise fréquemment un objectif microscopique tout à fait exceptionnel tiré de son sac à malice. Le problème avec des plans de maquette, c'est la grandeur. Ça a toujours été la grandeur. Il faut faire attention de ne pas vendre la mèche. Jusqu'à ce que nous ayons réussi à créer cet objectif, nous avions affaire à des maquettes de 4-10 mètres de long. Et l'aspect pratique de construire de telles maquettes, le contrôle de leur utilisation, posait de grands problèmes. Alors, maintenant, pour cette maquette, qui ne fait qu'un mètre de long, l'idéal serait qu'elle ne soit que de 10 cm. Je n'ai pas inventé l'objectif. Il a été fabriqué à Paris. C'est étanche, ça peut supporter 200 degrés, et c'est très impressionnant. C'est une nouvelle manière d'opérer, car c'est tellement sous-miniaturisé. Le système de contrôle du moteur est essentiellement ceci. Vous prenez une image, chaque image individuellement. Avant, nous le faisions à la main, avec des morceaux de sparadrap, des machines à calculer et des papiers, les choses habituelles que nous utilisions. L'essentiel de ce que fait l'ordinateur, c'est de choisir une distance, de la diviser en petits morceaux. Vous lui dites, bon, il y a un mouvement furtif à faire, à diviser en 1000. Arrête-toi à chaque fois et prends une image. Évidemment, l'un de ses grands avantages, c'est qu'il peut faire la même chose deux fois. Cela enlève l'ennui, la fatigue. Le côté répétitif est probablement la névrose du travail d'animation. House lights, red light. Thank you.
C'est Ian Kelly, expert en vidéo, qui supervisa une scène du film Electric Dreams, dans lequel un ordinateur tombe amoureux de la petite amie de son propriétaire. Cela demanda l'utilisation combinée de techniques cinématographiques et vidéo avec l'aide d'une animation par ordinateur. What is it? She said. Well, what is it? She felt like. What is it? Like ripping your goddamn world out! On the one place where I can't get you in the bathroom. Yeah. Anyway. I'm not stupid. This is lots of fun, but it's not really getting any work done. This is actually the last. C'est actuellement la dernière image d'une séquence bidimensionnelle. Ensuite, nous devons faire la transition vers celle en trois dimensions. If I can show you the actual transformation scene first. Right, okay. Singles. Very good indeed, yes. The way that the walls actually take up the shape of the real apartment is very good. Mm. We've got a simple microcomputer game, and then we've got live action here, yeah. Which is the bit that carries on from the piece that you're going to do. Right. We do the filling. And you do the filling, yes. Je me souviens d'une pub que nous avons faite il y a quelques années pour le paquebot Queen Elizabeth II. Le client voulait un environnement des Caraïbes. Malheureusement, nous n'avons pas pu filmer son voyage inaugural jusqu'à Southampton. Alors, nous avons dû créer tous les éléments séparément. Le soleil, les reflets sur la mer, les ombres, etc. Et donc, nous avons dû utiliser la Truca. Les effets spéciaux en Truca peuvent rendre possibles vos rêves les plus fous. Cette histoire raconte comment des effets spéciaux ont changé la vie d'un petit garçon. Tout a commencé dans une rue tranquille de Soho. Shelley Elborn eut pitié du malheureux enfant. Il utilisa de la fumée, un fondu enchaîné, des effets de féerie, puis une image fixe. Ensuite, il efface doucement pour révéler la cachette du coupable. Imaginez leur surprise lorsqu'avec l'aide d'une image composite animée, notre héros se trouve en deux lieux en même temps. Les vilains s'enfuirent, mais ils n'avaient pas prévu l'effet de vision au laser, le tirage en accéléré ou les changements de couleur optique. En utilisant à nouveau la soufflerie, notre héros accélère l'action, épuisant ses ennemis. À nouveau heureux, il trouve une autre ligne de cash et change d'identité. Les effets spéciaux peuvent réaliser vos rêves les plus fous. Après tout, ils nous ont donné Movie Brat. Right, there's our start position.
La technologie reste toujours un outil. Gary Kirk est en train de travailler sur Return to Oz et il l'a fini en Angleterre. Vous savez que Gary Kirk a aux États-Unis des équipements d'une valeur de plusieurs centaines de millions de dollars, incomparable avec les studios britanniques. Mais il finit quand même son film en Angleterre avec le peu de moyens qui existent ici. Je trouve que cette façon de revenir sur des méthodes de carton et de bout de ficelle est un peu étrange. Ce que je veux dire, c'est que la technologie n'est pas forcément la clé de réussite des effets optiques que vous voyez à l'écran. C'est d'abord une expérience dans le professionnalisme qui compte. En Angleterre, même les grands metteurs en scène trouvent le temps de faire la pause thé. J'ai déjà dit que je regrettais toujours ce que j'avais dit dans le passé. Mais j'ai senti que faire un film de Superman était une occasion d'être jeune pour un vieux monsieur comme moi. Parce que la plupart de ceux qui ont été dans l'industrie du cinéma aussi longtemps que moi ont surtout travaillé sur des films d'aventure, d'action, où nous déterminions, dans la tradition des années 60, de tout faire dans un lieu réel, en faisant des films peu coûteux dans lesquels nous ne pouvions pas faire grand-chose par manque d'argent. Superman nous a donné l'occasion de travailler avec tous les moyens financiers et techniques que le cinéma connaissait, mais avait oublié lorsque le son est arrivé. Ce que je veux dire, c'est que j'ai dû apprendre ce qu'on avait oublié de Méliès. Le grand danger d'inventer des films utilisant des effets spéciaux, c'est qu'il y a le risque de ne pas savoir ce que l'on a tourné jusqu'au dernier moment. Dans les films à effets spéciaux, on a tendance à déshumaniser les acteurs principaux. C'est très difficile de faire une mise en scène tranquille. Je tire mon chapeau à Christopher Reeves, qui a réussi à s'en sortir dans certaines scènes alors qu'il était gêné par les contraintes techniques. Il a quand même réussi, avec professionnalisme, à avoir un jeu détendu. Mais cela n'arrive pas toujours, et dans beaucoup de cas, vous trouvez un acteur contrit et constipé. Le rapport entre le film et les vidéocassettes ou les vidéodisques est très important parce qu'il représente un produit qui a un rapport avec le choix du spectateur. J'ai réussi à créer un environnement dans lequel la personne qui veut regarder un film peut le faire quand elle le veut. Que nous soyons prêts ou non pour l'avenir, cela dépend entièrement de la perspective dans laquelle nous nous plaçons. Les États-Unis n'ont jamais eu un si bel avenir en termes de nombre de spectateurs et de tout cet argent venant dans les caisses de cinéma. Les super films qu'ils font là-bas deviennent pauvres. Le cinéma américain est de plus en plus mauvais. Mais du point de vue de ce pays, c'est un peu différent. Je ne pense pas que le cinéma ait un avenir si on pense en termes d'aller au cinéma le samedi soir ou n'importe quelle notion de fréquentation régulière dans une salle de quartier. Donc pour l'Angleterre, ce que nous pouvons envisager, ce sont 500 salles de cinéma première classe dont le rôle principal serait de promouvoir le film en tant que produit, qu'ensuite on verrait sur cassette vidéo, par câble, par satellite ou à la télévision, ça n'a pas d'importance. Le plus important, c'est que la salle de cinéma crée la renommée d'un film. Le critique jugera dans une salle de cinéma, le public se rendra compte lui-même d'un film dans une salle de cinéma. Donc, je pense, j'espère, que la renommée d'un film continuera à se faire dans une salle de spectacle. C'est une question vraiment complexe, car l'industrie se dirige d'une telle manière, avec toutes ces nouvelles possibilités comme la vidéo, le câble, la télévision payante, que je ne sais pas ce qui arrivera dans 5 ou 6 ans.
Mais je suis certain que les films en trois dimensions arriveront sous forme d'hologramme. Donc je pense qu'il y aura toujours un public pour les salles obscures ou même les grandes manifestations où vous verrez 500, 1000 personnes apprécier un nouveau procédé. Maintenant, cela veut dire, d'un autre côté, que ça va restreindre la diffusion de films mineurs vers les médias télévisuels ou vidéo. Je crois que c'est très imprudent de prédire les prochaines tendances du cinéma, ou du moins s'il sera sur vidéo ou disque ou laser ou quoi que ce soit. Je ne pense pas que ce soit important. Le divertissement est nécessaire. Le divertissement doit continuer pour que les gens puissent sortir de chez eux. Mon point de vue sur la manière dont le public réagira en l'an 2000 est qu'il va se scinder en deux. Je vais généraliser. Il y aura des films à grand spectacle, comme je le vois aujourd'hui avec les films de Spielberg, de Lucas, leurs acolytes et les gens qui les suivent. Il y aura un grand public pour cela, sans aucun doute. Je ne pense pas me tromper en disant qu'il y en aura 4, 5 ou 6 de ces films par an. Et ensuite, il y aura des films plus personnels qui permettront un élargissement des genres, comédie, drame, films à suspense. Quant à l'avenir des films, je pense que le besoin de fantaisie, d'évasion restera en nous pendant très longtemps, d'autant plus si le monde continue d'être aussi apocalyptique. Et d'un autre côté, avec le développement des techniques de cinéma chez soi, comme les cassettes vidéo, les écrans vidéo et tout ça, je pense qu'aller au cinéma deviendra de plus en plus un événement, une sorte d'expérience extraordinaire. Donc je pense, sans l'ombre d'un doute, que les films à effets spéciaux et ce qu'on appelle les grands spectacles, qui soit dit en passant, ont toujours été une tradition depuis la naissance du cinéma, sont là pour rester avec nous définitivement. Vous savez, il n'y a pas vraiment de modèles de télévision dans le monde qui marchent, car ils sont trop accessibles. Les modèles du cinéma sont du domaine du mythe, et je pense que c'est très important d'accrocher les gens dans leur vie quotidienne en leur donnant une notion mythique de ce qu'ils pourraient être. Et je n'ai jamais trouvé aucun média autre que le cinéma qui puisse le faire aussi bien. Mais qu'en est-il des films eux-mêmes ? Sont-ils assez riches d'idées nouvelles? Leurs qualités artistiques sont-elles durables? Y aura-t-il un public pour souhaiter une renaissance de Star Wars dans 50 ans? Ou bien, toute l'ingéniosité et la créativité qui caractérisent les studios d'aujourd'hui ont-elles ramé le cinéma à son point de départ? Les appareils de projection à sous, les foires et le théâtre Robert Houdin? Le premier film de Shoskan est opportunément intitulé « Magie nouvelle ». So be defeated, just beat it. Beat it, beat it. Beat it, beat it.